Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Tuto Facile France. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour la deuxième vidéo où je vais vous montrer comment accéder à la morgue seul ou avec des amis dans une session libre. Donc tout simplement c'est à peu près la même méthode que l'autre vidéo, sauf que le moyen de rentrer dans la morgue va être légèrement différent. Donc toujours méthode pour charger la morgue dans une session libre trouvée par Oni, membre de la Dream Pictures Production. Je vous mettrai le lien de la chaîne dans la description. Et la méthode pour pouvoir rentrer dans la morgue, c'est une méthode un peu connue en wall brush avec un BMX, et c'est moi qui ai trouvé l'endroit précis où on pouvait rentrer dans la morgue. Donc il faudra lancer Tueur en série 5. Une fois que vous arrivez dans l'accueil, vous invitez des joueurs au pif, soit vous invitez vos potes. Il faudra que vos potes le fassent avec vous si vous voulez que vos potes aient la morgue chargée eux aussi. Donc une fois que vous arrivez dans l'activité, comme pour la première vidéo, très rapidement, dès que vous avez les commandes, eh bien vous sortez votre téléphone, vous allez cliquer sur l'icône du milieu de votre téléphone qui se trouve au milieu, l'icône orange là avec le petit V. Vous cliquez dessus, vous allez cliquer sur carré, donc l'espèce de logo de la poubelle, et vous validez pour quitter l'activité le plus rapidement possible. Vous allez être envoyé dans une session libre. Si vous avez fait ça avec des potes et que vous êtes envoyé dans des sessions différentes, vos potes peuvent vous rejoindre dans votre session. Normalement, la morgue restera chargée. Et à partir de là, il va falloir récupérer un vélo parce que vous allez devoir wallbrush un mur grâce à la technique du BMX, enfin du vélo, que ce soit un BMX ou un autre vélo, peu importe. Donc récupérer un vélo, une fois que vous avez récupéré le vélo, il faudra vous placer exactement au même endroit que moi, bien positionner le BMX contre le mur, donner un petit coup de pied pour que le BMX se balance contre le mur, enfin se pose contre le mur, et petite technique pour être sûr que vous êtes bien positionné, quand le BMX est bien positionné, que vous montez dessus, logiquement, quand vous êtes en vue à la troisième personne et que vous tournez la caméra, je vais vous montrer ça, et bien vous voyez le derrière du bâtiment en wall brush moitié. Donc vous allez voir ça. Donc là, je donne un petit coup de pied histoire de renverser un petit peu le BMX contre le mur et je tourne la caméra et vous pouvez constater que je vois un peu en wall brush. Donc à partir de là, vous allez demander à votre ami qui se trouve en voiture en face de vous foncer dedans avec le plus de patates possible. Et ça marche pas forcément toujours du premier coup, faudra réessayer, remonter sur le vélo, le repositionner si ça marche pas du premier coup, et si ça marche bien, donc voilà, vous serez envoyé dans la morgue. Gros inconvénient de cette méthode, c'est que ça demande d'être deux, donc si vous êtes quatre potes à le faire par exemple, eh bien forcément il y a que trois personnes qui pourront rentrer, et le quatrième qui fonçait avec la voiture, bah lui il n'y a personne pour l'aider à rentrer dans la morgue, donc ça c'est le gros inconvénient. Donc voilà, j'espère que cette petite astuce, glitch, appelez ça comme vous voulez, vous aura plu. N'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, me suivre sur ces mêmes réseaux sociaux. Si la vidéo vous a plu, mettre un gros pouce bleu. Et moi, je vous dis à très bientôt, enfin, à tout de suite pour la troisième vidéo. Allez, ciao à tous.